Ancien parc privé et acquis par la ville de Vambrechy en 1967, le parc de Robert-Sart rouvre ses portes au public. Situé le long de la Deule, la première phase de travaux est terminée. Des arbres centenaires ont dû être abattus, 150 peupliers trop vieux pour assurer la sécurité des promeneurs. À la place, un jardin à la française, une roseraie, des jeux pour enfants et une rotonde. Dans une seconde phase sera réalisé un arboretum avec 500 espèces d'arbres. Présentation avec Pierre Penquin, conseiller municipal et passionné d'histoire. On va avoir une partie qui va se prolonger par, d'une part, une ouverture à partir de l'entrée du château, de façon à ce qu'on ait une vue en perspective importante, et de dégager effectivement une partie connaissance des arbres par l'arboretum qui va être créé. Donc tout ça, ça fait une partie hydraulique qui va être aménagée au niveau de l'étang, vous voyez derrière vous, et on va avoir donc une deuxième partie qui va être beaucoup plus, là, beaucoup plus aérée, alors que côté jardin à la française, on est assez carré, c'est vraiment rectiligne, c'est pas du Le Nôtre de Versailles, mais on essaie de s'en approcher.